Alors, le musée d'histoire naturelle, ça dérive un petit peu des, si l'on veut, des cabinets de curiosité du XVIIIe siècle, où il y avait une minorité de savants qui récoltaient dans leur bureau toutes les végétaux, les fossiles, les animaux naturalisés, les formes de la nature qu'ils pouvaient trouver, ou qu'on leur amenait, qu'ils achetaient. C'est une volonté de la mairie de Toulon de faire passer son muséum municipal au département et d'utiliser ce magnifique bâtiment qui est une maison de maître du 19e et qui est placé à l'intérieur d'un parc de nectar. Donc le milieu naturel est somptueux. On a fait aussi le jardin des roches. On va faire le jardin des plantes fossiles, le jardin des insectes. Donc ça, c'est tout à l'extérieur. Ça, c'est un atout très important pour un musée d'histoire naturelle. La nature, elle est dehors. Le projet scientifique et culturel a été de montrer les richesses biologiques, géologiques du département du Var. Donc l'essentiel de la scénographie est tourné vers notre département. Pour les Varois, ça leur apporte une foule de connaissances sur leur patrimoine qu'ils côtoient tous les jours. En allant se promener, quand ils ramassent des pierres, ils voient des animaux. Les gens, parfois, ils voient tout simplement un lièvre ou un sanglier. Ils voient certains animaux, ils disent « Ah, c'est comme ça !» J'imaginais plus gros, j'imaginais plus petit. Là, ils voient vraiment l'animal en vrai. Hein, les reconstitutions des dinosaures, ils ont vu des T-Rex qui étaient aux États-Unis, etc. Mais voir nos dinosaures provençaux, ils les voient en vrai. Les reconstitutions des trois hominidés, par exemple, c'est aussi fidèle que possible. Mais ils pourront dire, moi j'en ai vu. Donc c'est quand même un très très bon instrument pédagogique.